Bonjour madame, présentez-vous au lecteur de Guinée Matin. Je m'appelle Diallo Kayatibiro, communément appelé Dekabiro. Je suis la dernière fille de l'âge, ancien président du Parlement. Vous sortez d'une rencontre avec les responsables du CNRD. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je suis là dès les premières heures de l'avènement du colonel Doumbouya à la magistrature suprême de l'État. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler du cas de mon père, qui a été victime d'injures publiques par un protégé de l'ancien gouvernement. J'ai exprimé au colonel Doumbouya que je ne voudrais pas voir ses enfants dans la même situation que nous venons, parce qu'il a voulu une justice pour toute la Guinée, pour tous les Guinéens. Parce qu'il a voulu une égalité pour tous les Guinéens. Parce qu'il a défendu le droit comme mon père l'a fait au Maraba. Mon père a 99 ans. Dans moins de 4 mois, il aura 100 ans. Il est le pionnier de l'indépendance. Mon père a descendu le drapeau français pour remonter sur le tricolore de la Guinée. C'était par rapport à ça que j'ai voulu intervenir pour l'interpeller officiellement. Et qu'est-ce que vous demandez au chef de la junte? Je lui ai demandé à ce que la décision judiciaire soit exécutée. Contre Ousmane Niel. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Hey.